Jean-Marie Bigard, l'humoriste, rejoint l'équipe de Touche pas à mon poste. Un de plus. Depuis les débuts de Touche pas à mon poste, sur France 4 pour rappel. Puis D8, devenu ensuite C8, depuis septembre 2016, Cyril Hanouna s'entoure de chroniqueurs aux profils différents. Et cette année, Gilles Verdet, Mathieu Delormeau, Daniel Moreau, Delphine Ouespissé ou encore Raymond Abou sont régulièrement autour de la table. Et ce dernier confiait d'ailleurs, « J'ai toujours adoré Cyril, je le suivais depuis la grosse émission sur la chaîne Comédie et j'allais le voir sur scène quand il faisait son one-man show devant 20 personnes. » Et de rajouter « Nous avions un ami en commun, le producteur Laurent Thibault, qui a travaillé avec lui lorsqu'il a quitté RTL pour prendre la matinale de Virgin Radio. » Nous avions commencé à travailler ensemble, je faisais des défis dans la rue pour Hanouna le matin. Il m'avait mis à laisser une semaine le temps de faire mes preuves et j'étais restée quasiment toute la saison. Entre septembre 2011 et avril 2012. Une équipe fidèle qui, lors de l'émission du 10 novembre 2022, a été plus que surprise par l'annonce de Cyril Hanouna. Et pour cause. Petite surprise, un nouveau chroniqueur arrive ce soir. Toute la France le connaît. C'est un événement. Faites entrer le nouveau chroniqueur à Direct Balance et Cyril Hanouna. Jean-Marie Bigard a alors fait son entrée, ovationné, sur le plateau de TPMP où Afida Turner était également invitée. Je sais qu'on va être encore plus surveillé par l'ARCOM, Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est une émission à risque. Attention, c'est peut-être la dernière. Souvenez-vous de cette date. On est le 10 novembre. C'est alors amusé le trublion du PAF. Une entrée que l'humoriste a immortalisée par une blague, à la demande de son nouveau patron, ses deux plombiers. Il y en a un qui est sous le lavabo, son collègue est derrière lui et regarde ce qu'on appelle communément le sourire du plombier. Il s'aperçoit que son pote porte un string rose. Il lui tape sur les fesses et lui dit « Tu portes des strings maintenant ?» L'autre lui répond « Non mais celui-là comme ma femme l'a trouvé dans ma bagnole. J'ai dit que c'était à moi. Le temps est donné pour le plus grand plaisir de l'équipe et des téléspectateurs. »